Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. J'espère que vous m'entendez. Je suis sur le tracteur. On est quand là? On est jeudi 9, 8, 9 je crois. Vous avez vu? Bon, mis à part le nez qui est rouge. Mais j'ai pas picolé, hein. C'est juste du rouge rouge. Ça va beaucoup mieux. Je suis un peu comme Wolverine, moi je guéris vite. Bon bah je continue de tirer des têtes. Ah voilà, c'est comme ça, on va y arriver. Ah, alors je débranche parce que sinon on commence à avoir beaucoup de branches au bout. Je vais chercher le bouton. Et je sors un peu de la merde. Je vais aller chercher le charme qui est là-bas pour la tronçonneuse, la tête, on l'a ramener là. Et voilà. Bon, ça avance bien. Hein. Bon, je sais pas si on a la moitié, mais bon, ça va assez vite. Il y a encore la tête, mais ça. On va prendre un temps. Hein. Voilà, voilà. Pas besoin des nouvelles. Alors, ils sont censés avoir une vidéo avant celle-là, mais je sais pas laquelle on va sortir en premier. C'est un peu bordel dans les vidéos. J'en ai d'avant, d'après. Enfin, bon, bref. Ah. Ah. Et d'ailleurs, c'est là. Bon, il change de chantier dimanche, normalement. On en a besoin ailleurs. On va venir avec un autre ici, puis c'est tout. J'ai pas vraiment besoin du treuil. J'ai un tracteur avec une chaîne, ça me suffit. En soi, on a besoin du treuil ailleurs. Donc voilà. Là. Là, ça tourne. Je vais mettre un peu de gazole dedans parce que faut quand même en mettre un peu de temps en temps. Et voilà. Alors on prend la caisse pour les sortir. Bon, ça va bien. Hein. On va pas se mentir. Ça fait longtemps que je suis comme ça. Alors là, bon, ça c'est pour charger ce soir. Ça. Je vais les sortir comme ça. On va les couper en 25. Et puis hop, on embarque ça comme ça. On prendra ça à la maison. Et puis voilà, la Rudy, ils font tout ça. Donc là. Ah, et puis là, il y a des tas un peu partout. Hein. Et bien les caisses. Bon, on va encore en mettre, mais si j'aurais chargé à fond, je pouvais pas mettre ma sang. Donc voilà. Bon, il y a un peu plus d'un ster par caisse. Quoi. Voilà, voilà. Alors, après, il y a des têtes encore là-dedans à tirer. Mais mais là, c'est pas trop merdique là-dedans, ça va. Il y a pire. Bon, on va décrocher ça. Ah, bon, je vous pose et j'approche. Salut.
enfin re-salue. Deuxième partie, mais longtemps après, de la vidéo que vous venez de voir là. Donc je vous dis re-salue. Je raccorde deux vidéos ensemble. C'est un peu le bordel. Bon, vous avez vu, je me suis mis au short. C'est plus facile la journée. Enfin, sauf là, ici, on n'a pas beaucoup de réseau. C'est un peu chiant, on en H+. Alors, si je fais un short de 15 secondes, ça va. Une minute, ça m'énerve à se mettre. Quoi. Voilà, voilà. Bon, on est toujours dans nos têtes de chaîne. Bon, ça vient bon. Hein. On a plus de la moitié, là. Voilà. Bon, on débarre toute la caisse. On a une petite caisse, une caisse de citerne. Voilà. C'était remis dans la caisse et hop. Hein. En 33, hein. Commercialisable, je parle. Voilà. Là, il y a encore quelques bouts là. Puis il y a une grosse tache là-bas en bas. Donc là, le soleil est revenu. Là. Là. Je viens de démarrer le tracteur. Bon, il est 3h30 là. Il vient d'arriver. J'étais livré ce matin. Enfin, on a été livré ce matin avec les filles. Et puis, bah, nous voilà quoi. Puis là, j'y allais, puis il fait bon, on va recharger parce qu'il faut encore du bois. Là. Ça, c'est une grosse tête qu'on a fait. On laisse le tronc. Soit on va le faire à la fin d'eux, soit ça sert à rien de se faire chier là-dedans, la main. Sinon, les autres à la main, ça va. Ils sont pas trop gros, il n'y a pas trop de nœuds. Donc, ça va. Donc, voilà, voilà. Mon tracteur, il bouge bientôt. Je refais un déplacement. Enfin, normalement, j'aurais dû faire ça la semaine dernière. Mais je pense que je vais. Ou faire ça samedi. Je voulais le faire demain, mais ça va pas. Bon, je pense que je vais faire ça samedi. Donc, voilà. Voilà la caisse. Je l'ai attaché avec une chaîne. Bon là, on la blâme bien. Hein. Enfin, un beau dôme dessus. Ça va vachement bien. Je fais 5 caisses et je suis chargé. Entre 4 et 5 quoi. Voilà. Bon, il y a encore un peu de charbonnette à faire. Là, il y a des tas de fendus là un peu partout. Là, voilà. Il y a bien plu, hein. C'est bien mouillé. On repart un peu de bois. Alors, bon, il n'y a plus tant que tête que ça en fin de compte dedans. Il y en a encore un peu, mais plus tant que ça. Et là, on a une autre grosse tache là, ici. Là. C'était des gros hêtres. C'est là qu'on avait fait le câblage avec le farm. Donc voilà, là j'ai retiré en bas ce que c'était chez le voisin. Il y en a encore un peu de bout de branche là-bas, mais on verra ça. Voilà. Bon allez, je ferai un petit rush tout à l'heure et puis on va essayer de monter une vidéo à peu près correcte. Alors je tire tout avec le trail, parce que la caisse m'empêche de faire marcher le trail. Du coup je ramène les têtes, j'essore de la merde et puis on les fait sur place. Sans que ça en eau propre, ça va bien. Donc voilà. Vous voyez, comme ça là je vais la tirer. C'est au moins, on n'est pas dans les ronces, on n'est pas dans la merde. Oui. Peut-être qu'un chat je l'attrape et puis elle sort. Voilà. Allez, à toutes. Et encore 2 ou 4 feuilles devant.
qui est pas beau là. Faut faire le coup putain. J'ai pas envie de réparer. Allez go. C'est pareil. On évite les tocs. Ah ça passe. Nickel. Troisième à fond. Petite caisse, hein. Tant dire qu'elle pèse celle-là. Je sais pas combien ça fait, mais là ça se remplit doucement. Là je mets du 50 pour prendre à la maison pour prendre deux. Voilà. Ah, ça me gratte le nez, les putains des chenilles. Voilà. Vous connaissez le dicton. Par en Renault, repart à vélo. Je suis bloqué en troisième. Je fais quoi avec ça? Alors normalement t'as une pièce avec un trou. Là le manche il rentre dans le trou. C'est bon, j'ai trouvé. Et il devait être sorti du trou. Oui c'est bon. Il faudra mettre un trou. Tu vois? T'as un trou normalement. Non je tiens. Le levier il est dans le vide putain. Du coup on a calé dans la côte parce que bah en troisième ça va pas quoi. T'as pas de doigts? Hein? Ah c'est bon. Il y a quand même un truc qui va pas, mais là je suis en première donc c'est bon. Bon on va réessayer. Ça doit être barré là en haut. Il y a un truc qui va pas. C'est tout. Ouais parce que le manche est descendu, je pense que c'est là que ça a lâché dans le haut de la cabine. Non mais je peux pas voir. Mais... Non mais c'est pas grave, on va partir en première. Là t'as celle qui dépasse. Oui bah c'est bon tant que c'est dans le trou. Pour l'instant je dois être en première. Je vais aller m'arrêter en haut et je vais regarder. Parce que là il est beaucoup trop flasque là. C'est ici. Il est surtout beaucoup trop bas là. Il est pas censé. Et puis normalement oui il est censé être ici. Ouais. C'est un Renault. Le manche il fait plus de 10 cm. Ah la vache. Putain il nous reste 40 km, on fait comment? On est bloqué en première. Bon, au moins on avance. Putain c'est quoi ce bordel? Putain après avoir perdu ce putain de manche et vitesse. On a pété un pneu. J'en ai marre! Comme c'est beau tout ce tour! Bah c'est la classe, tu peux faire un bain de pied en même temps que t'es. Putain, t'as vu! C'est Renault? Il y a de l'eau! On a refait tous les joints à pare-brise et tout, et ça continue à rentrer. Je comprends pas. On aime voir ça. Et on a 20 cm d'eau. Alors, c'est pas ça le pire, c'est qu'il n'y a pas de contact. Feu, phare éteint, on est bien d'accord. Vous allez voir, c'est drôle. Ça allume les phares, cette merde. Alors, dans ces cas-là, on va. Ouvrir le capot. Là. Ouvrir ça. Là.
Et là, on débranche la batterie en cas de court-circuit. Pour éviter de tout niquer. Désolé, vous ne me voyez pas. Voilà. Déjà, on va progresser. Bon, il y avait une souris, c'est rien. Bon, on est rentré. Hein ? On s'en bat. Bon, je vais y aller manger, puis je vais regarder demain. On va mettre le manche vitesse, je sais pas. Ça va être barré. Et puis bien barré, hein. Et puis bien barré, hein. On voit rien comme ça. Bon, bref, il va falloir gérer dans le tout. Bon, bah, la suite dans une prochaine vidéo, hein. Bon, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, et le petit pouce. Et ça va être nickel. Putain, c'est pas dans le bon sens. Salut !